Les pieds dans le parc. Média de proximité, le journal du parc informe sur toute la vie du territoire. Publié 3 fois par an, sa distribution repose sur un vaste réseau, comme ici, sur la commune de Vernoux. Pour la commune, le parc est identifié comme un partenaire à part entière, et que effectivement, quand le parc a des souhaits ou des démarches pour bien informer les gens, c'est pour avoir une vraie action de communication, eh bien, effectivement, on est toujours ouvert à toutes les démarches qui peuvent faciliter la communication et puis créer le lien social sur toutes les thématiques et les démarches qu'on entreprend. Voilà. Le lien social, un enjeu majeur au pays de Vernoux, comme en témoigne le lieu où nous sommes. L'espace culturel intercommunal Louis Naudon accueille dans les meilleures conditions spectacles et séances de cinéma. Eh bien, c'est une commune qui effectivement a eu la volonté de bouger sur l'aspect culture au plus grand nombre, c'est-à-dire culture pour tous. Et donc, effectivement, d'où la volonté de réhabiliter cette structure qui initialement était une salle des fêtes. Et qu'on a voulu transformer en outil culturel où toutes les personnes puissent se rendre et puissent voir toutes sortes de spectacles et de cultures. Autre équipement local, la résidence Beauregard qui compte plus de 100 occupants. On y dénombre autant de salariés, le journal du parc y siège en bonne place. Oui, c'est une forme de lien. Et puis, ma philosophie de la personne âgée, c'est qu'en fait, il faut qu'elle soit toujours reliée au monde actuel, au monde des personnes qui travaillent, qui vivent, qui vont faire leurs courses. Et donc, ça me paraît très naturel qu'en fait, on soit en contact les uns avec les autres. Pour clore ce tour d'horizon, petite visite au Mot qui roule, une librairie ambulante qui sillonne les routes de l'Ardèche et qui s'arrête chaque semaine sur le marché de Vernoux. J'avais envie depuis longtemps d'ouvrir une librairie, mais je ne savais pas exactement où. Et en réfléchissant, je me disais que là où ça manquait, c'était du côté de chez moi, dans les petits villages comme ça. Et l'idée, c'était que, en fait, une librairie qui ne serait pas ambulante, donc qui serait un magasin classique dans un petit village comme Saint-Laurent-du-Pape ou n'importe quel autre village de la vallée de l'Eyrieux, c'était pas du tout envisageable économiquement parlant. Et puis là, actuellement, il y a quand même pas mal de commerces qui se remettent un petit peu sur la route, un peu comme les épiciers avant ou les boulangers. Et du coup, je trouvais ça assez marrant d'aller dans les villages avec un camion rempli de livres, voilà, sur les marchés ou devant les écoles. Une démarche saluée par les habitants qui apprécient particulièrement cette idée concrète du lien social. Même au début, c'était drôle parce qu'il y avait plein de gens qui rentraient dans le camion simplement pour me dire merci. Ils me disaient merci, merci de venir jusqu'ici, merci de proposer ça, merci de venir dans notre village. Donc oui, ça c'est vraiment quelque chose qui revient tout le temps. C'est important d'être un acteur de la vie locale aussi. Moi, si j'ai fait ce projet-là, c'est pas juste pour être un petit commerce dans mon coin. L'idée, c'est vraiment d'être un commerce de proximité qui est là aussi pour relayer les infos locales, pour faire un petit peu du lien, pour faire du réseau. Et dans ce cadre-là, du coup, distribuer le journal du parc, c'était une évidence. Ouais. Thank you.